Alors Josaphat va se présenter pour les Josaphat. Écoutez-moi, Judas, il y a du temps qui vous rend ses prophètes. Confiez-vous à ses prophètes. Et vous réussirez. Donc pour réussir, bon, on va se confier en prophètes. Isaïe, c'est la bouche de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. Tu dis à longueur de journée. Tu parles de toi, tu parles de Dieu. Est-ce que tu parles de Dieu? Il fallait que l'on puisse savoir comment vous écoutez à moi. Je regarde à toi. Quelle est votre cible? Quand tu respires, c'est la crainte de Dieu que tu respires. Bon, dans ta marche, on va commencer. Je vais parler de Dieu. Je ne ferai que glorifier Dieu. Tout ce que je dirai, que ce soit pour la gloire de Dieu. Je dois entendre quoi? Et je suis à l'écoute de Dieu. Ma vision à moi, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois garder comme secret? Dans ce que nous allons nous comporter, chercher à ce que Dieu puisse faire le bien. Chercher à ce que je fasse le bien. Je m'interdis de faire le mal. Parce que vous n'allez pas me dire que quand vous êtes resté, Dieu vous garde en vie. C'est pour que vous soyez transformé. Que vous ayez la connaissance pour les servir. Dieu n'a pas besoin de la mort d'un pécheur. Il voudrait que tout le monde se convertisse. Qu'on partienne à la connaissance de la vérité. Pour les servir. C'est quoi il vous a laissé encore? Mais si vous continuez à faire le mal, il va vous couper. Comme on a coupé, c'est comme la vigne, le figuier qui n'a pas, qui ne produit pas de fruits. Ça doit sécher. C'est que prenez l'engagement de servir l'Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter et nous allons glorifier le Seigneur.
Okay.
panaye. Si tu t'appuies sur lui. Yo ye kami e panaye. Tu t'appuies sur sa parole. Ye kami na lilo banaye. Et tu crois en sorte que. Pe ondimi koloba. Ce que tu demandes va arriver. Oyo ngai na senge kokukisama. Le problème c'est que c'est à nous de donner le pouvoir à Dieu. Yo nde Seigneur pe sanzambe mbia. Si tu trouves que ce problème ici. Soki moni te likamba ngai yo. Na nzambe. Je peux trouver des solutions. Na kozwa ye yano. Dieu va s'engager. Nzamba kokota likamba yo. Mais si tu trouves que Dieu est ta solution. Na makasi te. Ton problème est plus grand que Dieu. Il commence la prière en il dit Seigneur, je sais que tu m'exhaustes et que tu m'exhaustes pour rien. C'est-à-dire qu'il engage Dieu. Tu sais, mais il veut que je puisse l'exhauster. Comme il fait sa volonté. Et comme il manifeste ma volonté, je suis obligé de m'engager dans ce monde. C'est-à-dire que pour que quand nous appuyons sur Dieu, et nous faisons sa volonté, nous appliquons les commandements de Dieu. Nous sommes justes et intègres. Nous avons dit que cette année ici, faites-nous pour être justes. Faites-nous pour être intègres. Faites-nous pour être amoureux avec tout le monde. Faites-nous pour être en paix avec tout le monde. Évitez les problèmes avec les gens. Évitez de problèmes avec Dieu. Il y a une relation verticale avec notre Dieu. Quand nous observons ces comportements, il va nous regarder favorablement. Mais si nous faisons le contraire, il va nous tourner les yeux. Les hommes aussi, nous devons savoir vivre dans la paix avec nous en faisant ce qui est bien. En ce qui est si important. Ézéchias s'est appuyé sur Dieu. Quand il a eu des problèmes, il a trouvé des solutions. Il a réussi dans ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que son appui c'était Dieu. Son appui c'était la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever. Pour se réjouir, mais on ne peut pas manquer ça. Nous, on est comme Agochènes. Les autres peuvent souffrir. Les autres peuvent être dans les ténèbres. Mais Agochènes, on est dans la lumière. Agochènes, on ne va rien manquer. Donc, on va chanter. Donc, on va bénir de l'un à un. Nous demandons à ce que notre guenier soit toujours rempli. Guenier, la mission est dans la lumière. Oh, bagage, oh, yeah, oh, yeah.